découvert le patinage lorsque j'avais 5 ans. C'était le sport favori de ma mamie qui est décédée d'un cancer quand j'étais tout jeune. Et lorsque ma maman m'a demandé ce que je voulais faire à la rentrée en septembre, et ben ma première idée, ça a été de dire que je voulais faire le sport préféré de mamie. Et du coup, elle m'a dit du patinage artistique parce que pour elle, c'était un sport assez inattendu. Et du coup, j'ai répondu oui. Et elle a fini par m'emmener à la patinoire. Et j'ai petit à petit appris à apprécier ce sport et j'en ai fait mon métier. Alors moi, je me suis majoritairement entraîné avec Annick Dumont, qui était à l'époque entraîneur national sur le pôle France de Champigny-sur-Marne. J'ai commencé à Cherbourg avec un entraîneur qui s'appelle Nicolas Goulier, qui était tout jeune à l'époque, et donc il avait mon âge quand il m'a repéré. Je me suis entraîné avec lui jusqu'à mes 12 ans, avant que la patinoire ferme à Cherbourg et que je sois obligé de déménager du coup sur la région parisienne. J'ai choisi de m'entraîner avec Annick parce que j'avais fait quelques regroupements, j'avais fait aussi le stage de Courchevel qu'elle organisait et je me suis tout de suite très bien entendu avec elle. Donc j'ai fait 10 ans de ma vie d'entraînement, de mes 13 jusqu'à mes 23-24 ans et jusqu'à ce qu'elle ait des nouvelles fonctions au sein de la fédération. Et donc j'ai terminé mes 6 derniers mois de carrière avec Claude Perry sur le Pôle France de Bercy. Donc j'ai terminé ma carrière en fait avec Claude. Pas parce que c'est moi qui l'ai souhaité, mais voilà, plus par pas par défaut, mais par un peu obligation. Il s'est trouvé que je me suis très bien entendu aussi avec Claude et ça a été très agréable de terminer ma carrière avec elle. Et j'ai eu la chance durant ces 10 dernières années de haut niveau d'aller m'entraîner aussi aux États-Unis avec Tom, l'entraîneur de Mirai Nagazu et Vincent Zou, etc., qui a formé d'énormes champions américains. Et j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui pendant un mois et demi aux États-Unis. Ça a été très enrichissant et ça m'a permis de revenir en France avec encore plus de bagages techniques, avec encore plus de connaissances et de compréhension sur la discipline. Et le dernier entraîneur avec qui je me suis entraîné, c'est Johan Dello. Très peu, mais cet entraîneur aussi français qui est parti en Suisse récemment et qui vient de revenir en France, qui était parti en Suisse avec l'équipe de Stéphane Lambiel, a notamment entraîné Shoma Ono. Et pareil, il m'a énormément apporté à des petits moments où je sentais que j'avançais plus. Et tous ces entraîneurs-là, j'ai essayé de prendre le maximum de chacun d'eux pour créer en fait le patineur que je suis aujourd'hui avec toutes les connaissances, le bagage technique et pour pouvoir aider au maximum maintenant les athlètes que j'entraîne. Le programme dont je suis le plus fier, je pense que c'est celui, le dernier, que j'ai fait, Roxane. C'est celui où j'ai mis le plus de cœur et qui me tenait le plus à cœur. Ça faisait des années que je voulais patiner sur cette musique. Je n'en ai jamais eu l'occasion et j'ai jamais osé car elle avait été patinée des milliers de fois. Et je ne savais pas comment la réinventer chorégraphiquement. Et lorsque je l'ai réentendue une fois complètement par hasard, je me suis dit qu'il fallait que je la prenne, que c'était ma dernière saison et qu'il fallait que je profite de cette occasion pour patiner dessus. Et j'ai eu l'idée de faire appel à Maïl Chanteloz, qui est maintenant du coup entraîneur à Villard-de-Lans avec les danseurs de Karine. Et parce que j'ai trouvé qu'il pouvait lui donner une nouvelle approche chorégraphique et un peu le remasteriser. Et donc c'est vraiment le programme dont je suis plus fier. Le pire moment de ma carrière, ça a été le programme long des championnats de France élite à Caen, où je termine quatrième du programme court avec 73 points, mon best score à l'époque, juste derrière Romain Ponsard. Je jouais clairement une médaille sur ces championnats de France-là, et je craque totalement au long, mais d'un craquage total. Et j'ai eu énormément de mal à m'en remettre parce que pour moi je jouais quelque chose à ce moment-là et j'ai pas réussi à mettre ce qu'il fallait psychologiquement, mentalement pour tenir la pression. Et je passe tellement, tellement à côté de mon programme et je termine peut-être à la fin 6 ou 7e et ça a été ma plus grosse déception. J'ai su exactement quand j'allais arrêter.
Mais je l'ai su longtemps en avance, c'est-à-dire que je préparais déjà ma reconversion depuis 2018. C'est-à-dire que après les Jeux de 2018, je savais que je repartais pour une Olympiade, donc pour 4 ans. Je savais que j'allais avoir 25 ans, que je ne retournerais pas sur une Olympiade pour aller jusqu'à 29. Et du coup, toute ma carrière scolaire, etc., je l'ai préparée dans l'optique d'une reconversion. Donc après mon bac, je me suis orienté dans une licence TAPS, entraînement sportif, pour aller enchaîner sur un DEGEPS. Et bizarrement, la fin de mon DEGEPS, de diplôme d'entraîneur, était l'année de la fin de ma carrière. Donc tout s'enchaînait parfaitement pour préparer ma reconversion. Donc c'était déjà acté depuis 4 ans et ça a été rapide pour moi de faire le changement de direction. Mes projets, c'est pour le moment d'entraîner à Champigny-sur-Marne. Donc, je suis entraîneur à Champigny-sur-Marne en tant qu'auto-entrepreneur, ce qui me permet d'intervenir sur d'autres clubs qui en ont besoin, qui ont envie que j'intervienne, notamment celui d'Orléans ou celui d'Angoulême. Je donne aussi beaucoup de cours particuliers, je monte des chorégraphies et voilà, j'essaye je suis jeune, de voir un peu tout ce qui peut s'offrir à moi et voir dans quoi réellement je veux me spécialiser. Mais pour le moment, je suis un peu le touche-à-tout. Donc je suis aussi préparateur physique, etc. Mes études me le permettent. Donc mes projets, c'est peut-être de rester sur le club de Champigny et de monter vraiment une structure de haut niveau. Et puis sur du plus long terme, ensuite, c'est vraiment d'ouvrir ma propre structure et voilà, d'entraîner à l'international et faire du haut niveau.